Mwanamke, femme. Mwenye. Donc. Anakamata téléphone. Elle prend son téléphone. Anaita huyo. Elle appelle celle-ci. Anaita ule. Elle appelle celle-là. Natuma SMS kule. Elle envoie les messages natuma de l'autre. Audio kule. Elle envoie les audios de l'autre. Hiki. Elle fait ceci. Anafanya kile. Elle fait cela. Et vous allez voir ce qu'elle est en train de communiquer. Mungu, ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen, amen. Na kama kuko mutu hapa. Et s'il y a quelqu'un ici, El Betel, dans cette église, El Betel, mwenye kwa kutukana batu, dont pour injurier, insulter les gens, tukamate imiaka mbili basi zenye zimepi. Prenons juste les deux ans. 2023-2024. Prenons 2023 et 2024. Mwenye likamata karte simu ya mupia. Qui a pris une nouvelle SIM carte. Akayua kama kitumikisha telefone yake. Et il a su que si elle utilisait son numéro, batamkamatisha. Et il sera découvert. Il a utilisé carte SIM. Il a utilisé une SIM carte. Kutukanana. Pour insulter kutukana les sœurs. Insulter les sœurs. Kutukana ba frères. Insulter les frères. Hawezi nyakuliwa. Il ne sera pas enlevé. Jamais. Tuliona na batu hapa. Nous avons même vu les gens ici. Dont nous n'avons pas encore fiancé. Quelqu'un est en train de se fiancer. Banatumia ba fiancé na ba garçon na ba fille kuma carte SIM zenye hazina majina. Ils utilisent des SIM cartes non identifiées pour envoyer les messages aux jeunes fiancés. Et vous cherchez la SIM carte et n'est pas identifié. Mais tu es ici. Oui, oui. Pourquoi tu l'avais fait, toi? Qu'est-ce qui t'avait poussé d'acheter une nouvelle SIM pour juste insulter les gens? Mm-hmm. Et mais tu es ici. Et l'esprit te voit. Et quand on a les mariages là devant nous, celui qui t'enverra un message à un numéro inconnu, envoie-moi ce message. On va s'agenouiller ici avec ce message. Si tu es un homme, envoie-le. Et si nous aussi nous avons Dieu, nous prendrons ton message là un jour. Et nous allons prier pour ça ici. Et maintenant que les puissances se testent, parce que tu t'es déjà habitué. Dio. Oh, kanataka oa. Oh, il veut se marier. Kalidanganyika. Il s'était trompé. Utalia mpaka mwisho. Tu vas pleurer jusqu'à la fin. Unaona garçon wanamtumia message. Tu vois les garçons m'envoient les messages. Ni bafasi nyingine. Est-ce que vous croyez que ce sont les gens d'une autre église? Kanajivuna. Il se vante. Juka taolewa. Tout simplement parce qu'elle doit être mariée. Et toi, tu penses que tu as eu un mari? SMS. Djumbe Fupi. Piga pas le roho. Frappe là l'esprit. Tangleo. Dorénavant. Cette église qui cherche le Saint-Esprit. Et qui veut ressembler à celle d'Éphèse. Stop aux SMS inconnus. Muachezi le jumbe zisizo julikana. Stop. Na zenyu lituma ziwe za mwisho. Et ce que tu as envoyé, que ce soit le dernier. Quelqu'un dort. Il voit un SMS venir. Il pense que c'est un message de paix. Et pourtant, c'est un message injurieux. Et celui qui t'injurie, tellement qu'il est un semeur de l'obscurité, il a l'onction de l'enfer. Il ne veut même pas que le nom soit connu. Amen. Maintenant, comme toi-même, tu as peur de mettre le nom. Comme tu es utilisé par ton père, c'est pourquoi tu as peur même de mettre ton nom. Tu es venu de l'enfer et tu rentreras en enfer. Les choses de Dieu sont claires. Amen, amen.